raw, so fully packed, so easy on the draw. They would sing to me a gypsy love song like this. Listen. Cucaracha! Cucaracha, cucaracha! Cucaracha, cucaracha! Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ouais, et bienvenue, chers amis, dans un nouvel épisode du Witcher 3. J'ai pas relevé le numéro, comme d'habitude, vous savez, on est au schnapp, c'est tout de suite la suite de votre émission. Chers amis, et nous voici plongés dans le monde de la Witcher 3, hein, de Ciri, qui est là, elle est belle, elle est sublime, elle est absolument formidable, elle est toujours blessée, elle a un petit déhanché absolument délicieux, chers amis, et ah oui, elle voulait me faire entrer dans un sauna. Oh putain, mais j'ai pas le temps, il est dimanche soir, c'est du contenu qui est tourné pour lundi, et Fanta à couche, et j'ai pas envie de passer des heures à censurer les boobs, et... Fine. On va y aller pour la beauté de la forme, chers amis. On a espoir. On y croit. Très bien. Entrez et ôtez-moi ces frusques. Non. Tout ? Évidemment. Astrid, c'était la mauvaise réponse. Il faut pas dire évidemment. C'est quand elle demande tout, il faut répondre oui, tout. Puis il faut se lécher les lèvres comme ça. Ah bah c'est fermé ! Ah bah quel dommage ! Quelle triste. Merde. Ah. Fine. Se dévêtir. Bon bah allons-y. C'est fait. S'envelopper dans une serviette ou entrer dans le sauna. Ah. S'habiller et partir. Ah, c'est tentant. C'est tellement tentant, chers amis. Mais Bob, t'es pas obligé de censurer. On est sur YouTube et les titres se sont autorisés. Rangez vos bites, les gamins. Moi, je censure. Allons-y. Encore plus de boulot pour le Lennon. Voilà. La serviette, elle est mise et on entre dans le sauna. Hé, alors apprendra à ces paysannes. Une serviette? Vraiment? Enfin, du moment que vous êtes à l'aise. Ouais. Enfin, je craignais que... Allons, mère, tu te fais toujours du souci. Tout va bien, n'est-ce pas? Oui, tout va bien. Ouais, tout va bien. Très bien. Pourquoi porter cette serviette, petite? Elle va tout tremper. Mère, elle vient du continent. Elle est pudique. Oh bah ça va la bouseuse, hein. On se calme hein, déjà. Entre être pudique et exhiber sa poitrine tous les 5 mètres, hein, avec ta vieille de mère, honnêtement ça sent la morue dans ce village de pêcheurs, c'est moi qui te le dis. Je vais être obligé de tout censurer, c'est dégueulasse. Ce n'est pas de la pudeur. Je voulais quelque chose pour m'asseoir. Vous n'avez rien trouvé d'autre ? Astrid ! Tiens-toi ou je te renvoie vider les poissons avec ton père. Vider le thon. Mais on papote. La vapeur s'en va. Arrosons les braises. Non, c'est pas réellement nécessaire, madame. Je vous en prie. Oh. Les sacrifices que je fais pour ce plétrou, bande d'enfoirés. Dites, chez vous, il y a des saunas? Non, mais chez nous, on a des cerveaux. Maintenant, si tu pouvais t'asseoir et la boucler, au lieu d'exhiber ton opulente poitrine. Je préfère ne pas parler de moi. Pourquoi ça? Je suis recherchée. Je ne veux pas vous attirer d'ennui. Pour Skial, le mal est fait. Quoi? Il n'a Dieu que pour vous. Il est resté tout le jour à votre chevet, à vous reluquer comme si vous étiez l'œuvre d'un grand maître. Astrid, je t'avais demandé de ne pas le lui dire. Oups! Oh, ce qui est fait est fait. Ce qu'elle vous plaît? Eh ben, je sais que dans l'histoire originale, on me l'a raconté. Apparemment, il faut savoir que Ciri s'envoie en l'air avec un elfe magique justement. Donc j'imagine que si elle préfère les elfes, c'est qu'elle aime les femmes en fait. Pour être honnête, je préfère les femmes. Oh, je vois. Ainsi les bardes disent-ils vrai. L'amour prend bien des formes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux une gigue, la vieille? Écoutez, j'ai grand plaisir à rester assise à bavarder, mais il faut que je file. C'est compréhensible. Qui voudrait s'attarder dans ce trou? On est tous cousins et ça pue le poisson. Je ne te vois de cousinage avec personne. À l'eau fautant, tu es la seule à ronchonner assis.
Tiens-toi un peu tranquille. Petite, Skal en a certainement fini avec les chevaux. Mais avant votre départ, piquez donc une tête dans l'eau. Ça vous fera le plus grand bien. Ouais, ça va vraiment pas m'aider pour mon montage, ça, mais enfin, pourquoi pas. Pourquoi pas? Après tout. Passez la porte et vous verrez le quai. Prenez garde, il est glissant. Merci encore. Ouais. C'est inutile, je vous assure. Puissent les dieux veiller sur vous. Bon, merci mamie. Pour le coup donc, chers amis, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que tout est un peu glissant et humide dans ce village, si vous voulez ce que je veux dire. Enfin, sautez dans l'eau pour rafraîchir. C'est froid. On voit des tits, mais on les voit de loin et ça bouge vite, on s'en rend pas compte, regarde, waouh, les effets spéciaux. C'est dommage que je puisse pas les pousser dans la flotte. Elle, je peux lui mettre un coup de pied à la This is Sparta et bla dans l'eau à moins 50. Presque, c'est pas grave. Buvez un verre d'eau de vie de Freya pour réchauffer. Oh, bah c'est barbare, j'aime beaucoup. Le fameux verre invisible. Bon bah ça c'est fait. Rejoignez Skal à l'écurie pour vous faire monter. Très bien. Par où je sors du coup, mesdemoiselles, voilà, parfait. Par littéralement ce trou dans le mur. Ah d'accord, il n'y a pas de vestiaire pour les hommes. D'accord, j'imagine c'est un sauna réservé exclusivement aux demoiselles. Tu me diras, ça fait du sens. Retirez la serviette. Alors ça, c'est pour l'aspect de censure, attention, vous êtes prêts? Mais merde, on l'aura pas eu. Il n'y aura pas eu l'aspect censure. On peut avoir l'aspect censure? Eh ben perdu, vous n'aurez pas l'aspect censure. Ah, Siri restera pur. Parfait. Merci, mademoiselle. Allons retrouver son crétin de frangin. Et voir comment on va complètement foirer cet endroit. Pardon les enfants. Ah, t'es déjà en train de monter la jument, je vois ça. Impeccable. Ah, vous voici. Les chevaux sont prêts. Moi aussi. En route? Écoutez, ma sœur, elle a pas dit d'ânerie, j'espère. C'est tellement du drama avec le vent qui parcourt ses cheveux. Non. Hormis le fait que vous étiez fou de moi. Quoi? Je lui avais dit de... Et puis je ne... Bien sûr, vous êtes très... Mais... Bah, vous savez quoi? Partons. Vous êtes pressés, le soir tombe... Je ne suis pas pressée à ce point. C'est ton premier baiser? Bien sûr que non. Oui, mon premier. Nous avons peu de temps, mais assez pour t'apprendre deux ou trois choses. Oh, c'est mignon. Sauf qui peut. Ah merde. Ne bougez pas. Je sais me défendre. Good. Et voilà. Est-ce que j'ai d'autres pouvoirs? Non, je n'ai toujours que celui-là, très bien. Il frappe parfaitement à terre, il est vide. Il est entièrement vide, très bien. Barrez-vous. Laissez les nudistes tranquilles.
J'allais m'offrir une nuit de plaisir avec un étalon qui valait à peu près 6 sur 10. Et il a fallu que vous foutiez tout en l'air. Tout ça pour un peu de caligou magique. T'en veux, je vais t'en donner, moi. Ah, oh. Voilà, il paye. Ah merde, enfourcher un cheval et fuyer vers le rocher du noyadé. Ah, j'avais pas lu ça, moi. Bon, on va encore buter quelques-uns. Ne serait-ce que pour la gloire du métal. Ah. Ça fait très film de cap et d'épée, j'aime beaucoup. Yes. Il s'en prend plein la gueule, hein. Et voilà, ouais, je l'ai fait bugger. Bon, j'imagine ça suffit. Cassons-nous. Quoi? C'est quoi ça? La chasse sauvage. Ragnarok. La fin du monde. Pas encore, gamin. Non, pas encore. Mais je dois filer. C'est moi qui le cherche. Ansel, je vais vous montrer le chemin du rocher. Tu veux dire, le coin dur? Je ne sais pas comment vous remercier. On y pensera une fois à l'abri. Au galop! Allez, ya! Ne vous retournez pas! Je peux pas, je suis à cheval! Oh shit! Ah, je me suis retourné! Plus vite! Plus vite, il gagne sur nous! Ça va, pardon! Aïe! J'ai raté mon coup, j'étais trop en confiance! Ça roule! Enfin, ça galope! Non, allez, pépette, reprends du poil. Il s'approche. Cours. C'est tellement stylé ce flashback. Le plus triste dans cette histoire, c'est qu'il est... Il est mort vierge, mais il était à ça, quoi! Il était à ça. Qu'est-ce que c'était que ce machin? C'était le mélange entre le fils à Dobby et à Gollum, en fait. Gobi. On va l'appeler Gobi. Ah oui, c'est vrai, il est mort. Qu'est devenue la créature? Où est-elle? Quoi? Je l'ai vu. À qui?
Je te libère. C'est l'heure. Non. Je te libère, j'ai dit. Eh ben putain. J'aime pas ce vent. Qu'est-il arrivé au jardin ? Il est mort. Je te l'avais dit. Ce sort nécessite beaucoup d'énergie. Tu savais que ça finirait ainsi, n'est-ce pas ? Sans juger utile de m'en parler. Non, je savais que tu regimberais. Ton éthique est charmante, mais parfois un rien gênante. Ton insouciance est formidable, mais parfois, et même carrément tout le temps, complètement destructrice. Yen, tout va bien ? Ça va aller. Le sort. Imagine-toi avec des cafards plein la bouche, ou nageant dans le purin. J'ai ressenti les deux à la fois. Bon, bah ça doit pas changer normalement comment tu devrais te sentir si t'avais une once de cœur, enfin bon. Tu aurais pu témoigner un peu de compassion à ce garçon. Ce n'était plus un garçon, Gérald, mais un amas de chair pourrissante s'exprimant par magie. Et hurlant de douleur aussi. Je sais l'impression que ça donne. Mais il n'avait plus rien d'humain, tu comprends ? Oh, Gérald, je sais bien qu'il faut qu'on parle. Mais pas ici, d'accord ? Je n'ai pas envie de m'attarder. Le jardin ? Notre jardin ? Comment avez-vous osé ? Nous vous avons aidé, et vous ? C'est un bon soin. Allons, allons. N'essayez pas de m'amadouer. Nous avons toutes les raisons d'être furieuses. Furieuse. Et vous, vous allez payer. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez me donner des coups de fesses ? Alors c'est sûr qu'avec la taille de vos culs, vous pourriez avoir une capacité offensive qui pourrait m'inquiéter, mais très sincèrement, j'ai deux épées. Nous n'avions pas le choix. Jamais nous n'aurions appris ce qui est arrivé à notre... Votre conduite est impardonnable. Courir après une étrangère vous donnait-il le droit de saccager notre jardin ? À vos yeux, évidemment pas. Tout l'archipel aura vent de ce que vous venez de faire. Attendez, je suis la seule responsable. Gérald a tenté de m'en empêcher, je ne l'ai pas écouté. J'aurais dû m'en douter. On m'avait dit pour vous autres. Sorcière. Nul ne vous ouvrira sa porte. Nul n'apaisera votre faim. Nul ne pansera vos blessures. Ouais. Pas crédible, les vieilles. Enfin bon. En plus, j'ai la reine à la bonne, donc... Tu n'étais pas obligée de faire ça. Non, mais je voulais le faire. N'en parlons plus. Concentrons-nous sur ce que Skial nous a dit. Pour trouver Ciri, la clé est cette créature hideuse que Skial a vue sur la plage. C'est mon avis. Tu sais, j'ai vu quelque chose, quelqu'un qui lui ressemblait. Où ça ? À Velen, au château gouverné jusqu'à récemment par un baron autoproclamé. C'est son bras droit, le sergent Hardal, qui commande à présent. C'est vrai, putain ! Tu dois y retourner et récupérer la créature. Je ne sais pas, achète-la, enlève-la. La chose est maudite. Sa cervelle est embouillie. Impossible d'entretenir un semblant de conversation normale avec elle. Ronchonner ne mène à rien. Tout va bien se passer. Une malédiction ? Du petit lait pour une magicienne et un sorceleur. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu... Bah, oublions. De quoi ? Qu'est-ce que tu voulais dire ? Tu étais sur le point de me poser une question. Je t'écoute. Dis-moi, crois-tu
que cette chose puisse être Ciri? Que, je ne sais pas, elle ait été transformée par un sortilège? Je préfère ne pas y penser. Geralt, il faut bien. C'est possible. D'après mes sources, à Novigrad, elle cherchait un remède à une puissante malédiction. Mais si j'envisage cette option maintenant, je vais craquer. Faisons notre possible. Et advienne que pourra. Peu probable, ma chère Yennefer, peu probable. Après tout, elle est sur le dos de la jaquette du jeu. On n'en sait guère plus. Seule certitude, Ciri a quitté Skellig. Et elle n'est ni à Velen, ni à Novigrad. Elle a disparu. Encore. Il faudrait réexaminer ce que nous avons appris. On a peut-être négligé un élément crucial. Je l'espère sincèrement. Je me demande bien dans quel pétrin elle s'est fourrée. Un bol de salade? Difficile à imaginer. Mais on la tirera d'affaire saine et sauve. Je t'en fais le serment. Bon, et du coup? Nous avons épuisé toutes les possibilités sur Skellig. On devrait peut-être remonter la piste de Ciri sur le continent. Avant cela, il reste une chose à faire. Une chose importante. La malédiction du loup? De quoi s'agit-il? Retrouve-moi à Larvik, dans le hall des guerriers. Je t'en dirai plus sur place. Désolé, mais j'ai des choses à régler. On peut remettre ça plus tard. Si tu n'as pas d'autre choix, je t'attendrai un moment à Larvik. Si tu ne viens pas, rendez-vous à Vizima. Après tout, nous devons un rapport à l'Empereur. Tout ce qui touche à Ciri ne concerne que nous. Peut-être, mais nous avons passé un accord avec Emir. Il faut aller le voir. J'avais complètement oublié ça. Quelle loyauté envers ton protecteur. C'est aussi le tien, très cher. Ne va pas l'oublier, il pourrait ne pas l'apprécier. Ah, fine. S'il le faut vraiment, allons-y. Sans Emir et ses agents, nous n'aurions jamais appris le retour de Ciri. Nous lui devons bien ça. À bientôt, Yen. Prends soin de toi. Attends. Cette affaire à Larvik, elle me tient beaucoup à cœur. Essaie de faire vite, d'accord? Bon. Bon. Et je suis surchargé, j'ignore pourquoi, mais je le suis. Alors attends, on va virer 2-3 trucs. Genre ces espèces de marteaux qui servent à rien. Excellent, nous sommes donc libres. Bon, eh ben on en a appris un petit peu au sujet de Ciri. Elle est plus sur Skellig, très bien. Ça veut dire qu'on en a fini avec cet archipel à la con. Dommage, moi j'avais encore plein de trucs à explorer et à faire. Mais on en a pas fini par ici les enfants. On en a absolument pas fini les enfants. Parce que je veux libérer ce loup à la con. Alors, débarrassez-vous du loup qui rôde dans le jardin. Très bien. Allons-y, trouver un accès à la grotte inondée située sous l'antre de Mordvag. Il fallait pas que j'interroge un mec aussi. Putain, il y a plein de quêtes qui se mettent à jour, ça veut rien dire. Voyons voir, ça c'est fermé. Ça c'est ouvert, voilà, c'est les portes intérieures qui sont fermées, voilà c'est ça. Verrouiller, requiert une clé. Bon. Bah écoute, faisons le tour. Trouvons notre ami Loulou. Frappons-le dans le museau à coup d'épée en argent. Essayons de lui donner des fraises, encore. Juste histoire de le mettre en rogne. Et libérons cet enfoiré de boucanier tueur de prêtresse. Bon, après, on a un petit peu niqué leur jardin magique, mais nous, c'était pour une bonne cause. Voilà. Bob, une bonne cause? Oui, bon, bah... L'écluse est ouverte, mais rien ne se passe. Disons qu'on a buté leur jardin magique, mais qu'on a eu la politesse de pas les violer, quoi. Ça veut rien dire, allons-y. C'est ouvert! Ouah! Super. J'imagine que par là, chers amis, il doit y avoir un passage secret. Ah ah! Que disais-je? Alors, vous n'y voyez absolument rien, c'est normal, bienvenue sur YouTube. Pour ceux qui n'y voient rien à l'écran, dites-vous que je suis sous la flotte dans une caverne à la con. Voilà, très bien. Est-ce que j'ai une torche? Non, je n'ai pas ma torche. C'est très con de ma part. Est-ce que j'ai une torche? Oui, c'est bon. Voilà. Excellent.
Yep. Ah ah, poussière, charbon, titanium, blablabla. Très bien. Ah ah, est-ce que c'était les restes de ce qu'on voyait par-dessus? Oui, je crois. Peut-être. Ça ferait du sens. Une clé de cadenas. Ah ah ah. Très bien, donc ça ne mène à rien. Donc écoute, retournons-y. Donc j'ai la clé d'une porte. Une clé de porte que le loup-garou cherchait désespérément. Au point de parler très très mal à un crâne au bout d'un bâton. Tout à fait. Donc peut-être qu'on va pouvoir lui en parler et essayer de négocier un truc avec lui. Voyons voir. Enfin, après lui avoir pété la gueule, ça c'est sûr. Parce que pour être honnête, le loup il est vénère. Hop là. Il doit être dans la caverne normalement. Petit. Jean-Loulou. Jean-Louis. Ah le voilà. Aïe aïe aïe, bien joué. Roulade. Merde, attends, garde la torche. Très bien. Comment on se retrouve? Vous pouvez mettre fin à ceci. Libérez-moi. J'y travaille. Je ne peux rien faire. Éventuellement le nourrir. Viande de loup-garou. Ça, c'est un objet contaminé. Écoute, t'es sûr que tu veux pas un chuchucre? Un chuchucre? Et oui, c'est un bon chien, ça. C'est un bon chien, le chuchucre. Tu veux le chuchucre? On pourrait peut-être réessayer la viande. Essaye toi-même. Trou du cul. Il voulait pas les chuchucres, très bien. Écoute, je suis désolé, mais je vais t'achever. Ça me permet de récupérer du loot, et avec de la chance, tu peux lâcher du mutagène, donc je me sers. Cette conversation commence à m'ennuyer. Et qu'allez-vous faire? Mon travail de sorceleur. Une deuxième fois. Voilà. Yes, du loot! Et j'ai récupéré mes sucreries, je veux même pas savoir par où elles sont sorties. Alors, déverrouiller les portes de la salle capitulaire. Très bien. J'imagine en fait que ça doit être sa salle au trésor, au loulou. Puisqu'il prétendait à l'infini, j'ai peut-être sauté un peu trop eagerly, c'est bon, c'est passé. Il prétendait à l'infini qu'il pouvait me récompenser, cet enfoiré. Donc ça se trouve, c'est un deal, trouver la clé. Par là. Voilà, c'est bien ça, c'est cette maison, je m'en doutais, chers amis, tout va bien. On ouvre, c'est ouvert. Et attention, sésame, foire-moi dans les doigts. Non, c'est bon, ça s'est ouvert, oh putain. On y croit. Donc pillons l'endroit. De la bière, un livre, un coffre magique et un distill, je crois que c'est ça. Je prends. Le journal de Morkvarg, ah ah. Voyons voir. Non, attends. Là. Parfait. 24e jour. Thurstar, le sage, ne méritait pas du tout son surnom. Il m'a payé pour qu'on n'attaque pas son village, puis satisfait de sa propre intelligence, il a rappelé les gardes. On m'avait jamais autant facilité la tâche. On a tranché la gorge des hommes durant leur sommeil et culbuté leurs femmes jusqu'à l'aube. Le butin est maigre, mais on s'est amusé comme rarement. 26e jour. Pendant qu'on faisait voile depuis Randvig, on a entendu ululer des chouettes. C'est un mauvais présage, ça. Alors j'ai donné l'ordre de regagner le village. Puc a trouvé drôle que j'ai peur des dieux. Alors que je suis censé être ultra brave. Je l'ai jeté par-dessus bord avec un couteau planté entre les omoplates. Mais j'ai bien vu que j'avais un peu perdu le respect des gars. Il va falloir que je fasse quelque chose pour prouver que j'ai toujours les plus gros sabords et éviter qu'il leur vienne des idées stupides. 33e jour. 33e jour. 33e jour, voilà, c'est ça.
Notre visite à Inyarsfeal a été un succès. Les prêtresses sont mortes, le monument est détruit, les livres sacrés sont brûlés et les tonneaux d'hydromel sont vides. On a partagé l'argent. J'ai pris les objets votifs, Nerul, fils d'Odlek, a récupéré les bols de... et les cuillères, et Mons, fils de Gudvar, s'est approprié les chandeliers et les bijoux. Quant à Tordar, fils d'Enar... fils de pute. Pardon, excusez-moi. Quant à Tordar, fils d'Enar, il a renoncé à sa part par crainte de subir le courroux de Frey. Tant mieux. Oh, ça en fait plus pour nous. Demain, on mettra le cap vers Spikrog pour voir ce que les marchands ont à vendre. Alors comme ça, on m'a menti. Mais, c'est une mission pour le masque. C'est une mission pour le masque, chers amis. Il y a un petit peu de justice qui se manque, là. Il y a un petit peu de respect qui n'a pas été dû. Ouais, voilà, on va aller à l'Arvik, excusez-moi. Voilà. Voilà. Parce que là, il y a un petit peu... On s'est un tout petit peu foutu de ma gueule. Si peu, monsieur le juge. Ah oui, au fait, l'autre est là. Personne n'assouvira votre faim. Personne ne vous ouvrira la porte. Personne, gna. Tavernier! Ah si, c'est vrai. Salutations. Taverne? C'est pas une taverne. C'est la demeure des guerriers. Et qu'est-ce qu'on y fait dans cette demeure des guerriers? On s'y bat? Ouais, il arrive qu'un type en cogne un autre. Mais la plupart du temps, les gens viennent boire, manger, se réchauffer au coin du feu, discuter, ou encore écouter un scalp hurler à la lune. Tiens donc, comme une taverne, mais en mieux. Les choses qu'on fait dans une taverne, en somme. Ces continentaux, ils comprennent rien à rien. Buvez donc notre hydromel, c'est de la sagesse liquide. Bah si c'est sûr que tu te remplis jour après jour de ce genre de sagesse, pas étonnant que tu sois aussi con, enfin bon. Qu'est-ce que vous vendez ? Je vais jeter un œil. Bon, bah il a l'air de bien me nourrir ce mec. Je sais pas ce qu'elle avait l'autre greluche, mais... liqueur de cerise, ça c'est utile alchimiquement parlant. On va claquer notre dernier pognon dedans. Eau de vie de Mahakam, ça c'est utile. Limoncello, ça c'est utile. Et enfin, tout ce que je peux acheter avec ça. Voilà, j'ai plus d'argent, mais au moins je suis bien pour l'alchimie. Et peut-être une petite partie de Gwent. Oh, c'est tentant. J'adhère. Ah, j'ai pas assez d'argent. Je meurs d'envie de jouer au Gwent, ça devrait me requinquer. Bon, sinon t'as bu assez d'hydromel pour jouer au Gwent ou t'es encore complètement con? Allons-y. Petite partie gratuite et ouverte, chers amis. Vous êtes plein que j'en faisais trop sous cap. Donc on va vous montrer un petit peu. On a Stanislas, on a un trébuchet, on a une baliste, une catapulte. C'est pas mal. On a quelques trucs qu'on peut... Oh, on peut travailler avec ça. Et je suis sûr qu'avec ça, on peut faire quelque chose d'autre. Impeccable. Bon. À l'adversaire, Scoyatael. Ça joue Jaskier. Très bien. Pas de problème. Mademoiselle la juge, il n'y a aucun souci. On va lui donner l'illusion qu'il est fort et on va lui balancer Talar. Et on va piocher. On va se servir. Les nabos appellent leurs potes. C'est bien cool. On va continuer à saucer, il n'y a pas de raison. Voilà. Contrebandier à Vecar, pas de problème. Oh là là, quelle tristesse! Regarde tous ces gens au corps à corps, regarde la capacité de cette carte. Incinération, combat rapproché. Détruisez les unités de combat rapprochées les plus fortes de votre ennemi si la force cumulée de ces unités de combat rapprochées est d'au moins 10. Du coup, il ne va pas savoir quelle carte détruire, il va détruire toutes les cartes les plus fortes de la première ligne qui ont la même valeur, c'est-à-dire 10. Frère, la value! La value, elle est là! Merci, la value. Donc là, il a perdu 40 points dans la bite. Ça lui a fait tout drôle. Ah, et là, ça commence à réinvoquer Stanislas. Ah, ça se chie un petit peu dessus. Ah oui, là, ah bah, ça fait mal. Perdre 4 cartes d'un coup, ça fait un peu mal au fion. Donc, pas de panique. Je suis en train de regarder ce que je peux balancer. Je peux mettre un petit Geralt et une petite Ciri, histoire de garder la main. Allez, on va faire ça. On va garder la pression un peu. Terre brûlée. Oh, quel dommage. Si j'utilise ça pour ressusciter Vilain Tremeth, est-ce que son effet s'active? Je ne sais pas, mais je vais garder ça.
Donc il a l'avantage de 1 point, donc il croit avoir un vrai avantage en fait, hein, ce qui est très intelligent de sa part. Sauf que même principe de Terbulé, regardez, quelles sont les cartes les plus puissantes sur le terrain? Vous allez me dire Geralt qui vaut 15 points d'attaque. Eh bien non, parce que Geralt est une carte héroïque et ne peut pas être affectée par les pouvoirs et les sortilèges. Donc la deuxième carte la plus puissante, c'est une carte Nabo à 6. Mais comme il y en a 3, le jeu va se dire, ah bah on va virer toutes les cartes à 6. Vrai. Allez. Value. Donc là, il est bien cramé. Il va falloir qu'il prenne masse de temps pour s'en remettre. Parce que je lui ai quand même fait ultra mal au fion, il faut le dire. Donc je vais poser Triss Merigold. Voilà. Voilà. Ah bah, ça commence à essayer de booster un peu les autres troupes. Ah bah, c'est impressionnant, j'avoue. Ah oui. Il y a de la bonne comptabilité là sur le truc. Bon, on va balancer. Voilà, Vernon Roche. Allez. On bourre, chers amis. De toute façon, il est au bord du gouffre, là. Il commence à balancer ses cartes héroïques. Moi aussi, j'en balance ses cartes héroïques. S'il veut jouer à celui qui a la plus grosse, il va perdre, hein, ultimement. Il a passé. Il a admis qu'il avait pas de bite. Eh ben, très bien. Alors, ça va être bien pour le ressusciter. Quand je peux le récupérer maintenant et ressusciter une autre carte plus tard. Ou alors, je peux la poser, ressusciter la décaste et ressusciter une autre carte. J'ai l'impression que ça revient au même. Ah. Je crois que ça fait passer plus de tours et ça me fait gagner plus de temps. On va faire ça. J'ai gagné la manche. Très bien. Je tire une carte en plus. Un glandu. On va poser le glandu. La dragonne. Il envoie une dragonne à 10. Pourquoi pas? Moi, j'envoie un glandu à 10 aussi. S'il veut la jouer comme ça, hein. Oh, quelqu'un capable de ressusciter quelqu'un d'autre. Et il ressuscite l'espion, Talar, pour tirer 2 cartes supplémentaires. Très 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 bien joué, mon loulou. Très bien joué, très bien joué. Je vais jouer une bonne vieille catapulte. Voilà. Terre brûlée, très bien. J'ai fait exprès, chers amis, pourquoi? Parce que j'ai joué la catapulte de manière à ce qu'il claque sa terre brûlée et que ça la tue, la catapulte, volontairement, automatiquement. Du coup, partant de ça, je vais poser ma soigneuse. Et je vais ressusciter le prince Tennisman. Voilà. Federer en force. Parfait. Il joue une gitane elfe, bien à son loisir. Moi, je joue le commando des stris bleus qui va fusionner avec mon second commando et donc doubler la force de chacun parce qu'ils sont gays, mais ils sont bro. L'amour viril. Froid mordant. Oh, bien joué. Bien joué, il utilise le froid magique pour réduire la force de mes unités de premier lieu. Mais le super pouvoir de mon roi fait qu'il décide qu'il fasse beau. Aujourd'hui, je décide qu'il fait beau et dit royal. Voilà, il y a un respect qui s'est gagné. Temps dégagé, il est baisé. Il ne peut plus rien faire. Vu qu'il a plus de cartes, il est obligé de passer son tour. Et maintenant, donc, je peux jouer librement. Alors, jouer librement, ça veut dire... récupérer... Quoique, je peux récupérer Talar. Ah, c'est risqué. En même temps, ça voudrait dire que je peux récupérer... Non, j'ai déjà récupéré Tennisman. Récupérer Talar. Puis je vais piocher. On va se servir, hein. Pas de raison. Voilà. Plus d'amour viril, l'enfer de la bite. Le pouvoir de la bite. Très bien. Double pouvoir of Doom! Ah, malheureusement, ça ne marche pas, d'accord, faut le savoir. Moi, je croyais en fait que de poser un jasquier qui fait le pouvoir de clairon qui double la puissance d'attaque des gens sur une ligne et de poser un clairon, ça doublait. Mais en fait, non, ça ne fait que doubler jasquier qui n'est pas affecté par sa propre puissance. Voilà. Donc, il faut imaginer Jasquier, là, il a une trompette et il a plein plein sur le champ de bataille, mais il y a un mec à côté de Jasquier. Qui a une trompette dans l'oreille à Jasquier et qui a la pimpin aussi, tu vois. À côté d'une pile de 3 mecs complètement homosexuels dans la beauté de la chose. On bourre. 116 à 22. Voilà. Merci et revenez vous voir. Si t'as plus de sagesse en hydromel, je te conseille d'arrêter. Bien. Et j'ai donc gagné 6$. Il mérite, c'est une bonne carte. Je suis content. Alors, donc maintenant, bah c'est bien, ça m'a permis de refroidir un petit peu, parce que tel qu'il était l'enfoiré, j'allais le buter. Maintenant, j'ai juste envie de lui patater la bouche et de lui attacher les couilles à une batterie électrique magique. Batterie de voiture, en somme. Je
était à l'heure. Tordar, fils d'Einar, le masque te cherchait. Un sorceleur. Hein. Bonjour. Gloire à Freya. C'est ça. Vous mentez. Quoi? Non. Que la mère elle-même en soit témoin. Ça suffit. Votre fausse piété ne prend pas avec moi. Vous étiez l'un des hommes de Morkvar, n'est-ce pas? Vous avez l'œil étranger. Mais vous avez manqué quelque chose. Les hommes que vous voyez sont sous mes ordres. Ils sont armés jusqu'aux dents. Laissez-moi vous présenter. Le problème, chers amis, c'est que j'ai envie de lui botter le cul. Mais ça sert tellement à rien à ce niveau. Ça sert tellement à rien. Le problème, en fait, c'est que si je le tue, il va peut-être ne pas me donner les informations dont j'ai besoin ou que je voudrais. Donc, ça sert à rien. Après tout, je m'en fous. Je suis un sorceleur, pas un chevalier errant. Je ne suis pas venu ici rendre justice. Alors pourquoi vous remuez le passé? Je dois savoir ce qui est arrivé ce jour-là dans le jardin. Je veux lever la malédiction de Morkvarg. Vous êtes fou. Ce fils de pute mérite de souffrir jusqu'au Ragnarok. Et même après. Eh ben, dis-moi en plus. Je fais mon métier, c'est tout. Ouais, moi aussi, c'est ce que je disais. Jusqu'au jour où Morkvarg a mis le cap sur Indersfjall. Je sens la mort, je connais. J'ai brûlé des villages, massacré des femmes, des enfants. Et les prêtresses? Non. C'était trop, même pour moi. Après le massacre, pendant que Morkvarg se saoulait avec les gars, je me suis servi de ça. Un croc de loup, couvert de runes. Je le tiens de mon père. En me le donnant, il m'a dit qu'une personne blessée par ce croc subirait un sort pire que la mort. Il n'avait pas menti. Et il vous a dit comment annuler la malédiction? Ouais. Il suffit de donner le croc à la victime. Ne comptez pas sur moi pour ça. Ce fumier mérite de souffrir. Ah. Vous allez me donner ce croc, de gré ou de force. Un petit conseil, sorceleur. Ne menacez jamais un guerrier de Skellige. Surtout s'il commande un drakkar. De quoi? Tu crois que commander une bicoque en bois va te donner une quelconque force? Ah! Bien joué! Ah ouais, ouais, ouais. Très bien pensé. Ouh, la belle attaque par derrière! Il a tenté de surprendre le masque! Ah bah, j'ai raté mon dodge. C'est pas grave. Bon! J'ai besoin de vie! Le psychopouvoir! Oui! Blablabla. Oh bah, l'entrée! Oh, l'entrée! Tu crois que tu peux avoir le masque? Oh, Utskushi! Oh, les wa, Utskushi! Utskushi! Oh, Utskushi! Oh! Utskushi! Ah, ça faisait longtemps que je m'étais pas amusé comme ça, tiens. Ah, et en plus, il pousse le cadavre du pied. Aucun respect. Aucun respect, aucun respect. Alors, une ficelle, elle achète. Ah, le croc maudit. Très bien. Et du fric. Très bien, ça tombe bien, j'en ai besoin. Alors. Donc, maintenant que justice a été rendue. Et que ce glandu a voulu se la péter en étant. T'as vu? Je pilote un morceau de bois sur la flotte. Comment je suis trop fort? Donc, le mec, il a tout compris. Ok, il a tout compris. C'est loin encore ou Oui, parce que j'y vais à pied, mais c'est peut-être une idée à la con en fait. En même temps, d'y aller appeler par nuit de pleine lune comme ça rend bien. Hein. Oh, j'ai récupéré des champignons. Trop bien. Ok, en coupant comme un gros sale, quand même, ça va un peu plus vite et ah. Ah. Intéressant. Et merde, c'est fermé. Bon, j'aurais dû m'en douter. L'écluse était ouverte la première fois, pas la deuxième ni la troisième. Et ça passe là sur le côté. Genre avec une petite, genre avec la petite, le petit saut de Geralt. Oh oui, oui, le saut de biche.
Le sceau de Cabri! Oh là là, le sceau de Cabri bugué de Geralt. Le sceau du Caribou. Tellement beau. Du coup, trouvez notre ami Loulou. Et rendre la justice avec le masque. Mais d'abord, libérons ce pauvre Boog, même si c'était un tueur assassin pédophile de la pire des espèces. Personne ne mérite d'être ensorcelé comme ça. Je veux dire, au pire, il mérite la mort. Tu peux pas faire bien pire que la mort, techniquement. Enfin, si, c'est pire, mais ce serait cruel de faire pire. La mort, c'est le plus efficace. Et au moins, t'es sûr, il récidive pas. Ah, ah, ouah, ouah. Reviens dans 1 million d'années. Ou plutôt non, tiens, je vais te libérer, ça va aller mieux. Comme on se retrouve. Vous pouvez... Oui, c'est ça, on y travaille. Allez, tiens, prends ça. Mais juste avant, contemple le regard et le visage du masque. Dis-moi, est-ce que je suis beau? Le psychopathe, tu sais. Tenez, mettez ceci. Tiens. J'ai déjà bien assez de gros. Très drôle. Ne discutez pas, faites-le. Libre. Je suis libre. Enfin. Bravo. Oh, une taverne. Il me faut une taverne. Je pourrais manger un cochon grillé. Non, un quartier de bœuf. Et je le ferai descendre avec de la bière. Par tonneau entier. Je veux pouvoir reprendre la mer. Il y a pas d'autre. Mais je vais leur rappeler qui je suis. À Novigrad, partout, je suis de retour. C'est bien. Et mon fric? Oui, c'est ça. Bon vent à vous. Mais d'abord, ma récompense. Ah, oui. J'avais presque oublié. C'est ce qu'ils disent tous. Tout doux. J'ai qu'une parole. À Novigrad, dans le quartier du Lassi, vous trouverez un prêteur sur gage, le Vautou. Dites-lui que vous venez de ma part. Et vous verrez bien que je suis un homme généreux. Et maintenant, adieu. C'est bien. Je m'appelle. C'est bien, c'est ça. Mais il est l'heure de recevoir ta récompense. Ton éternelle récompense. La récompense du masque. Le masque. Oh, bien joué. Bien. Ouais, je prends. Bon, et maintenant que justice a été rendue et que ceci s'est fait, je peux à la fois récupérer ma récompense auprès du commanditaire et la récompense auprès du prêteur sur gage de Novigrad. Le truc, c'est que j'aurais peut-être dû faire en sorte que sa malédiction soit brisée et que la récompense soit obtenue avant de détruire leur jardin de Freya. Oh, au pire, si jamais ils veulent pas me payer, je peux me contenter d'exécuter ce qui reste. Pauvre garçon, je vais au moins tenter de laver son honneur. Ah ! Après tout, il a failli coucher avec ma fille. C'est pas un exploit, mais bon. Et qui parle mal. J'aime bien jouer la Siri un poil schizophrène comme ça, tu sais. Et donc, il vous plaît, mon frère? Oh, je préfère les femmes. Mais une fois qu'elle est en face du mec... Ouais, allez. En mode casual, tu sais. En mode full détendu. Why the fuck not? Par là. Ya! Non, ya, Mablette. Ya, ça veut dire avancer vite. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien. T'as compris le concept. Ça, c'est une bonne Mablette, ça. Ça, c'est une bonne Mablette. Impeccable, ça, Mablette. Impeccable. Restez avec nous encore une semaine, Horizon. Vous allez mieux. Mais vous êtes encore trop faible pour prendre la mer. Merci.
mais je ne voudrais pas abuser de votre respect. D'autres problèmes, mademoiselle ? Nous accorde amour, haine et force. Ne vous en faites pas. Je suis sûre qu'ils vous attendent tous. Bonjour. Que puis-je faire pour vous cette fois-ci ? Répondre à mes questions sur Morgvarg. C'est réglé. Je viens pour ma prime. Êtes-vous sûr que... Morgvarg ne vous dérangera plus, croyez-moi. Satisfaite ou remboursée. J'espère que vous dites vrai, sorceleur. C'est tout ? Absolument toi, aucune réaction sur le fait que j'ai cramé tout ton... Haine et force. Non, si, non ? Non, peut-être ? Non ? Et toi, t'as pour quoi à quelle raison la déesse vous a-t-elle mené ici ? Et moi qui croyais m'être mené tout seul. Vous ne vénérez pas Freya ? Non. Mais je respecte ses disciples, y compris ses prêtresses. C'est tout à votre honneur, mais sans importance. Freya récompense et châtie, croyant et infidèle, sans distinction. La vénérer peut aider, mais ça ne fait pas tout. Que cherchez-vous ? Une femme déesse qui punit indistinctement entre les hommes, les femmes, les croyants, les non-croyants selon ses sautes d'humeur mensuelles. La déesse de l'amour, en effet. Puis-je jeter un coup d'œil à vos articles ? Voyons voir ce qu'elle vend, la vieille. De toute façon, j'ai pas le fric, j'ai pas les thunes. Ça vaut des thunes, ça ? 107 dollars, parce que j'en ai plein des saloperies comme ça, hein. Honnêtement, je vais commencer à en vendre, j'en ai plein dans les besaces, donc voilà, ça fait 1500 dollars. Merci beaucoup, madame. Ça ira. Adieu. Je voulais savoir si elle joue au Gwent, la vieille, mais comme elle porte pas de soutien-gorge, c'est très peu probable qu'elle ait un endroit pour ranger ses cartes. Alors, du coup, on est bien. C'est la victoire totale, la victoire du masque, chers amis. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans le prochain épisode de The Witcher 3. Skyrim arrive. Oui, je l'appellerai comme ça. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Allez, zou. Oh là là, mais il me manque juste un masque pour le cheval, en fait. Ce serait épique.